Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on a enfin trouvé un coffre. Rappelez-vous la dernière fois, la semaine dernière, on était dans une grotte qu'on avait un peu explorée de fond en comble et il n'y avait pas de coffre. Eh bien on est sur cette même... On est dans cette même grotte aujourd'hui, mais j'ai eu l'occasion de l'explorer un peu plus en profondeur. Et ce coup-ci, il y a bien un coffre qu'on va aller ouvrir ensemble. Allez, on va zoomer un peu. Alors, j'ai pas la moindre idée de ce qu'on peut trouver dans les coffres. Ça va être la surprise. Ah, allez, ouvrons. Ah, d'accord. Bon, c'était bien ce qu'on avait dit là. C'était bien ce que j'avais imaginé la dernière fois. Hein. Donc, on a de la plume thistle, de l'agate, hein, de l'hymne. Au final, c'est pas tellement intéressant ce qu'il y avait dans le coffre. Hein. C'est pas si génial que ça, quoi. Mais c'est bien ce que j'avais imaginé. De la ressource. Alors, je me demande si le son du jeu est pas un petit peu fort. Ah, peut-être le baisser un peu, en fait. Hein. Au cas où. Au cas où, au cas où. Ce serait dommage que vous n'entendiez pas bien. Alors, je ne sais pas si je vais continuer à explorer. Alors, on va remonter. On avait dit la dernière fois, de toute façon, qu'il était temps maintenant d'avancer un peu mes outils. Donc aujourd'hui, on va un peu faire le tour. On va essayer de... oulala. Vous voyez le ciel dont je vous parlais la dernière fois. Alors, on va attendre que le décor se charge. C'est pas un souci. Ah, je suis totalement... Ah, c'est joli. Je suis totalement bloqué le temps que ça se charge. Donc là, c'est revenu en place. Donc, je sais plus ce que je disais. Je sais que je disais que la semaine dernière... Non, je sais que je pensais vous dire que la semaine dernière... Il y avait pas mal de bugs quand je marchais, quand je courais. Il y a eu une mise à jour de à peu près 1 giga depuis. Alors, je sais pas si c'est moi, mais on dirait que c'est un peu plus propre. J'ai plus les problèmes que j'avais la semaine dernière. En tout cas, je les ai pas rencontrés. Donc je pense que ça devait être des problèmes qui étaient apparus avec l'arrivée de l'océan, et ils ont dû corriger ça très rapidement. Alors, j'ai bien envie de me crafter le grappin supérieur aussi. On va juste aller voir si cette construction a un peu avancé. Ah ouais, ça, pardon, autant pour moi, ça bug encore en fait. J'ai envie d'aller regarder un peu cette construction parce que je la connais, je l'avais déjà visitée, c'était vide à l'intérieur. J'aimerais voir si c'est à l'abandon. J'ai toujours les petits bugs, hein. Un labyrinthe? Ah oui, non, ça a changé. Ah non, ça a pas changé, d'accord. Ça a pas changé. C'était un labyrinthe et enfin, c'était un peu désaffecté. Et ça a l'air d'être toujours autant désaffecté. On va grimper. Ah, y a rien. Et a priori, il n'y a rien. Je pense qu'il a commencé à préparer son labyrinthe et il a jamais terminé. Ah, peut-être. Ah, attendez, on peut passer par ici. Ah, d'accord. J'ai dû rater l'entrée alors.
D'accord, bon, bah, j'ai pas très bien compris où était le début du labyrinthe. Ça doit être ça. Et en fait, il a déjà commencé à le construire. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Hop, un petit. J'ai même pas crafté de gemme pour me téléporter au. Ça, c'est un peu débile. Je peux pas me re-téléporter au spire. Alors, on va jeter un œil sur la map. Est-ce qu'on est loin? Non, on n'est pas si loin que ça. Et allez, on va se mettre en route. On va courir. J'ai mis la caméra à 3 km. On va courir, on va retourner au spire, on va essayer d'aller à la zone qu'il me faut pour récupérer les ressources. On va aussi regarder un peu ce qu'il me faut d'ailleurs comme ressources. Allez, direction plein est. Parce que là actuellement on est dans un tiers 1, donc récupérer des ressources ici, autant dire que... c'est totalement inutile. À chaque fois qu'on utilise le grappin, il y a ce bug en fait. J'avais oublié que c'était avec le grappin. C'est pour ça que je l'avais pas vu. Tout à l'heure, j'utilisais pas le grappin. Alors que le grappin, c'est mon instrument préféré quoi. On se prend pour Spider-Man. Spider-Man. C'est totalement... totalement bugué. Au plus je l'utilise, hop, on va s'arrêter et on court. Ouais, c'est totalement en vrac. Eh ben, j'espère qu'ils vont vite corriger ça. Oh, j'ai une grande montagne là. Voyons voir sur la map. Est-ce qu'on est. On a fait la moitié du chemin. Allez. On a fait la moitié du chemin. On va un peu. S'orienter vers le nord, nord-est. Parce que la direction c'est plutôt est, nord-est. J'adore ce grappin. Bon, des fois il est un peu buggé, mais c'est génial. C'est une bonne, un bon ajout dans le jeu. Le jour où ils se sont dit, tiens, et si on ajoutait un grappin? Il y en a qui ont dû dire un grappin dans un MMO, mais non, ça sert à rien. Mais non, c'est fun. C'est super fun. Là, j'ai peut-être trouvé une autre grotte hein, à faire le couillon comme ça. Alors a priori les grottes elles sont pas... enfin, c'est pas généré aléatoirement. Je pense qu'elles ont été posées à des endroits précis sur les maps parce que celle que j'avais trouvée la semaine dernière y était toujours cette semaine. Il n'y a toujours pas de news quant à une sortie, mais bon, c'est normal, c'est un peu tôt quand même. Et moi, j'attends vraiment ça ouais, pour premier trimestre. Ils peuvent pas le sortir plus tard, quoi. Premier trimestre 2015. Ah mais il y en a des jeux hein, en plus qui vont sortir. Mon emploi du temps il va être catastrophique quoi. C'est bon, même si je sais que ça va être une grosse merde. Franchement j'ai aucune... Je me fais aucun espoir sur le jeu. On verra, peut-être je serai agréablement surpris. Mais je l'imagine pas. Donc j'attends Dragon Age... j'ai oublié le nom, mais enfin voilà, le dernier, le nouveau,
qui est censé se racheter de l'épisode foireux numéro 2. Après, en 2015, début 2015, Dragon Age Origin, il sort en septembre-octobre. Origin. Le nouveau Dragon Age, dont j'ai oublié le nom, sort en septembre-octobre. J'ai oublié la date. Moi, j'attends bien entendu. On a trouvé les ruines construites par quelqu'un. Donc, j'attends The Witcher, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'autres jeux que j'attends en même temps. Et je ne vais pas vous en faire la liste. Mais il y en a beaucoup. Alors, le Spire est par là. Hop. Alors, le jour où ils vont implémenter les dégâts, si je le sais pas avant, ça va me faire tout drôle. Est-ce que la barre de vie, c'est dans pas longtemps? Normalement, c'est courant juillet. Avec les dégâts, ils vont ajouter donc le PVE. On va avoir du PVE très très bientôt, au mois d'août normalement. Enfin, je pense qu'ils prennent un peu de retard quand même. Hein. Arrête de sauter. Ah, que c'est dur les amis, ça saute dans tous les sens. Allez, on va monter. Alors on a les FPS là qui se sont un peu effondrés. Alors en fait les FPS tombent quand il y a des grandes constructions. Là carrément on a quelqu'un qui s'est fait un village. Waouh. Yoff. Avec le logo de EverQuest Landmark. Pas mal. Allez. On va essayer de se tirer de ce petit village. Ça me fait un peu peur pour le jeu, ça, quand même. Hein. Ça me fait un peu peur. Si je lag dans un truc comme ça, qu'est-ce que ça va être dans le jeu? Les amis, je suis un peu inquiet, quand même. Hein. Est-ce que je vais devoir acheter un nouvel ordinateur? Celui-là, ça a beau être un Core i7. C'est un Core i7 de première génération. J'ai eu beau le rebooster et tout, il commence quand même à être un peu vieux. Et là, la carte mère, de toute façon, je peux plus la mettre dessus. Niveau RAM, je suis au taquet. Où est la spire ? Passer à côté quoi. C'est à gauche. Donc voilà, il va falloir probablement que je réfléchisse à un changement d'ordi. De toute façon, c'est bientôt mon anniversaire. On va dire à tout le monde de m'offrir une nouvelle carte mère et un nouveau micro pro. Allez, arrête de sauter, Bambi. Non, mais on se fout de ma gueule, là. On se fout de ma gueule, je pense. Hein. Où est ce fichu spire hein? Allez, on va faire plein sud. Ah, pour trouver des coffres dans les grottes, je suis bon, hein, mais pour trouver ma route pour la suite, ça c'est une autre affaire. Hein. Non, y a pas grand monde, hein. Y a pas grand monde sur le serveur. Faut dire que c'est quand même assez tôt. Ouah, le lag, les amis. On y est presque. Voilà, on le voit. Elle était bien planquée cette saleté. Hein. Faire un spire en plein milieu
des collines. C'est le plan foireux. Bon. Alors, on va s'occuper de nos outils. Oh, quel lag. Je suis à combien? Je dois être à une frame par seconde. 4 FPS. C'est horrible. Allez, montre-moi les outils. Alors... Actuellement, j'ai celui-ci. Moi, celui qu'il me faut, c'est celui-là. Attendez, mais j'ai de quoi le faire. Non, il me faut 26 Elemental Silver. Il me manque de l'argent. Il me manque de l'argent. Il me faut juste un peu d'argent. Ça, c'est le problème fondamental de nos jours. Hein. On est toujours à court d'argent. Toujours à court d'argent. Allez. Hop. Non, 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 non. Je voulais pas cliquer là. Hop. Allez, cave. Tier 3. Il me faut du tier 3. Allez, j'espère que ça va un peu soulager le buffer. Est-ce que je vais remonter un peu? Est-ce que je vais rester à 4 FPS. On va switcher en mode fenêtré de toute façon. Je veux mon nouveau grappin. Je sais même pas si je l'ai pas déjà d'ailleurs. Allez, 100%. Petit écran noir. Non, pas d'écran noir ce coup-ci. Ah ouais, je suis toujours à 4 FPS. C'est catastrophique. Allez, hop. Qu'est-ce que ça dit? Non, non, c'est 4 FPS. Tu te démerdes avec ça, mon ami. Allez, on remonte à 8. Oh, c'est la folie. C'est la folie. Allez, on va essayer de trouver un peu de minerai d'argent. En pleine nuit, c'est cool. Oh, regardez-moi la lune. Ah, que je me languis d'arpenter ces terres en raid. En raid, en groupe. Ça va saigner. Bon bah, il n'y a pas beaucoup de ressources là. C'est quoi ça? Elles ont disparu. Je me fais snober là, je me fais troll par les ressources. Attendez, mais on n'en croise pas une seule quoi. Ah, quand même. Oh, on a quelqu'un là-bas. Il y a Netherian. Bon, allez, on cherche un peu d'argent. On trouve des filons de bugs. Mais pas des filons d'argent. On va grimper et on va s'arrêter là, je pense. De toute façon, bon, je récupérerai les ressources entre deux épisodes, entre deux tournages. Donc ça sera peut-être un peu plus intéressant. J'espère que pour la prochaine fois, il y aura de nouveaux ajouts, histoire de vous montrer d'autres nouveautés, histoire de vous montrer l'évolution un peu du jeu. Parce que n'empêche, ça arrête pas d'évoluer quand même. Donc j'espère qu'il y aura du neuf et qu'on découvrira ça ensemble. Donc, pas d'argent ici. C'est la lose. Allez, sur ce les amis, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je suis le roi du grappin.